bon, le diable était. Il avait pris sur le pont de Castille une personne. Bon. Et Saint-Martin a envoyé une inondation, etc., qui a emporté le pont. Le diable a voulu se racheter. Et la gageure, le pari, c'était. Si, puisque tu es si fort, si tu reconstruis le pont en une nuit, tu pourras choisir l'âme que tu voudras. Bon. Et alors le diable se met à travailler toute la nuit, etc. Les pierres, les ciments, bon, et puis à l'aurore, le pont est presque terminé, mais il manque encore une finition. Et à ce moment-là, Saint-Martin fait chanter un coq. À partir du moment où le coq chante, le soleil se lève et le diable a perdu le pari. Alors, la grande pierre que le diable a en main, de rage, il la jette par-dessus la scala de Santa Regina, par-dessus la montagne. Ça va frapper une montagne qui depuis s'appelle le Monte d'Avonante et qui... Il perce la montagne. Alors, les légendes sont sans fin et inépuisables. Qui veut que c'est Saint-Martin qui entre directement en ligne de compte et qui fait labourer le diable sur le plateau de Nîmes. Et là encore, il faut que ce soit fini avant un moment déterminé. Et c'est pas fini. Et là, c'est la charrue que le diable jette et qui va percer le Monte d'Avonante.